Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine avec mon plus beau sweet, avec mes œufs au plat puisqu'on va cuisiner, donc c'était dans la thématique. J'ai voulu me faire raccord avec aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une recette originale sous forme de bouteille de coca. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces vers le soleil si vous avez aimé celle-ci. En tout cas moi je vous laisse avec la recette et je vous dis à tout à l'heure. Première étape, c'est la préparation de la bouteille. Donc il vous faut une bouteille d'un litre 5 de coca. Vous allez commencer par marquer à l'extérieur de la bouteille le niveau du coca qui vous servira plus tard. Une fois que vous avez vidé votre bouteille, donc que vous l'avez consommée bien sûr, vous enlevez le bandeau de la marque, puis vous allez couper au milieu, donc là où il y avait le bandeau, avec un cutter, la bouteille en deux. Une fois que c'est fait, lavez-la et surtout séchez-la bien. Pour faire la bouteille en chocolat, il vous faut du chocolat noir et du chocolat blanc pâtissier. Faites fondre d'abord le chocolat blanc au micro-ondes, puis rajoutez-le dans le haut de la bouteille et vous allez faire tournoyer votre bouteille jusqu'à ce que le chocolat blanc atteigne le niveau que vous avez marqué au préalable. Faites couler le surplus de chocolat blanc et enlevez ce qui a coulé avec une spatule. Mettez votre eau de bouteille pendant 5 minutes au frais, puis renouvelez l'opération avec une deuxième couche de chocolat blanc. On va faire la même opération avec le bas de la bouteille et du chocolat noir, donc on met entièrement le chocolat noir dans le bas de la bouteille et on va faire tourner donc la bouteille pour que le chocolat noir se répartisse entièrement. Donc tapotez et enlevez l'excès après et du coup remettez-le dans le ramequin. Une fois que c'est fait, mettez-le au frais et renouvelez de nouveau l'opération une fois que le chocolat a déjà figé dans la bouteille. Donc une fois qu'il est bien solide, remettez votre chocolat fondu, répartissez-le entièrement dans la bouteille, mettez-le au frais et réservez tout ça de côté. Maintenant que le chocolat blanc dans le haut de votre bouteille est bien pris, vous mettez le chocolat noir. Comme tout à l'heure, vous le faites couler tout le long de votre bouteille et vous enlevez le surplus. Alors attention, il faut bien que le chocolat blanc soit bien pris et qu'il soit bien figé et que le chocolat noir ne soit pas trop chaud, sinon il va faire fondre le premier chocolat. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui sont les génoises. Il vous faut les ingrédients qui s'affichent ici. Vous allez mettre dans un saladier vos œufs entiers et votre sucre que vous allez battre à vitesse très rapide jusqu'à l'obtention d'une mousse très aérienne. Donc ça peut durer un petit peu longtemps, sachant qu'il y a quand même pas mal d'œufs. Une fois que c'est fait, saupoudrez votre farine avec un tamis au-dessus de votre préparation et incorporez-la. Vous m'avez déjà vu faire ce mouvement-là, donc c'est un mouvement avec une spatule du bas vers le haut pour ne pas casser la préparation qui est montée. Surtout faites attention, la farine a tendance à tomber au fond du ramequin, donc n'hésitez pas à racler avec votre spatule le fond du ramequin et à remonter la farine pour qu'elle s'incorpore bien. Une fois que c'est fait, répartissez votre préparation dans deux saladiers de façon égale. Et dans l'un des deux, vous aurez mis votre poudre de cacao. Puis, incorporez le cacao à votre mixture. Veillez bien à ce que tout le chocolat soit bien mélangé. Vous avez bien sûr fait préchauffer votre four à 180 au préalable. Et maintenant, vous mettez votre préparation dans votre moule que vous aurez beurré et fariné. Faites cuire le gâteau 25 minutes et faites la même chose pour le gâteau nature. On passe maintenant à la ganache. Il vous faut du citron, du mascarpone, du sucre glace et de la crème liquide 30%. Je commence par battre ma crème liquide 30% au batteur jusqu'à l'obtention d'une bonne chantilly qui se tient bien. Je la mets de côté, puis je bats mon mascarpone, mon sucre glace et mon citron également au fouet pour qu'ils soient très crémeux et aérés. Une fois que c'est fait, je vais incorporer ma préparation mascarpone à ma préparation chantilly. Donc d'un mouvement délicat pour ne pas casser la chantilly et ne pas la faire retomber. Je mets ensuite cette préparation dans une poche à douille sans douille. Quatrième étape, le montage. Je prends mes gâteaux et je coupe le dessus parce que je veux des cercles bien plats. Et avec un emporte-pièce qui est plus petit que la taille de la bouteille, on va couper 4 bouts de gâteau dans chacune des génoises.
que c'est fait, vous avez récupéré votre bouteille qui était au frigo jusqu'à maintenant. Et on va mettre une première couche de crème, puis une couche de gâteau, et ainsi de suite, alterner jusqu'à arriver en haut. Comme vous le voyez, il n'y avait pas besoin d'une douille pour cette opération, juste la poche pour nous aider à bien viser. Vous pouvez le faire à la cuillère si jamais vous n'avez vraiment pas de poche à douille. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter du chocolat liquide entre les couches, si vous voulez que ce soit encore plus gourmand. Une fois qu'on a rempli la première partie de la bouteille, on va faire la même chose avec le haut de la bouteille. Donc j'ai posé le haut de ma bouteille dans un verre pour que ce soit plus stable et que la préparation ne tombe pas dans tous les sens. Nos deux bouteilles sont bien solides, maintenant on passe au passage le plus délicat, à savoir retirer le plastique. A l'aide d'un cutter, je vais inciser le plastique. Donc on y va très doucement puisqu'on ne veut pas couper le chocolat. En tenant délicatement la bouteille, je vais commencer à déchirer mon plastique. Donc coupez au fur et à mesure, allez-y doucement, on ne va pas casser maintenant. Je dois vous avouer que c'était un peu compliqué pour le bas, mais j'ai réalisé des petites entailles et ainsi mon plastique s'est détaché naturellement. Vous faites la même opération pour le haut de la bouteille et je vais conserver le chapeau comme ceci. Maintenant, on va assembler les deux parties de la bouteille, donc je cale mes deux bouteilles l'une contre l'autre, puis avec le reste de chocolat noir fondu, et tout simplement avec mon doigt et napper la fissure donc qu'il y a entre les deux bouteilles pour la solidifier. Je rajoute ensuite le bandeau que j'ai enlevé précédemment à ma bouteille, donc vous pouvez le coller avec du chocolat noir si jamais il ne colle pas de lui-même, et je rajoute le petit embout de la bouteille qu'on a coupé. Et voilà le résultat final. Pour couper votre bouteille, vous pouvez la couper en tranches comme vous le souhaitez. Moi, j'ai voulu la couper en hauteur pour que ça ait un joli rendu et qu'on voit les couches du gâteau. Pour couper votre gâteau, prenez un couteau qui coupe vraiment bien. Passez-le sous un filet d'eau très chaude pour commencer à couper le chocolat qu'il y a tout autour et ne pas bousiller votre bouteille. Et voilà le rendu final de votre gâteau. Et voilà, je vous retrouve, donc la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle est assez simple finalement à faire, mais elle fait vraiment son effet. Vous retrouverez bien sûr en barre d'infos tous les ingrédients, moi je vous dis à la semaine prochaine, salut !